Au top à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Ukraine se retire unilatéralement de Koursk. L'Ukraine retire ses troupes. L'Ukraine envisage de retirer ses troupes. L'Ukraine a dû commencer à retirer ses troupes. Il y a des gens qui disent que c'est l'effet Trump. Peut-être, mais je ne pense pas. Ce n'est pas l'effet Trump. Écoutez bien, ne donnez pas à Trump des pouvoirs qu'il n'a pas. Voilà. Trump n'est pas le président des États-Unis actuellement. Trump est un président élu. C'est-à-dire que à la fin du mandat de, comment vous l'appelez là, de Joe Biden, c'est Trump qui va le remplacer. Il n'y a qu'un seul capitaine dans le bateau. Aujourd'hui, le problème qui se passe, la guerre en Ukraine, c'est Joe Biden qui gère ça, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas Trump. Trump attendra la passation de service qui aura lieu, je pense, le 20 ou le 25 janvier prochain. Voilà, les amis. Ce que vous voyez là, en Ukraine, c'est une fuite en avant. C'est une capitulation, c'est une défaite. Parce qu'il y a une différence entre le retrait et la capitulation. Vous voyez? Depuis quelques... Ça fait peut-être même 2 semaines que... Les grands experts, les journaux sérieux de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Pas en France. En France, quand vous suivez les médias français là, non, 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 l'Ukraine est en train de gagner la guerre. L'Ukraine sera au Kremlin même demain. C'est ça, c'est qui pour eux. Mais les gens sérieux, ils vous disent que non, c'est fini, c'est cuit. Les carottes sont cuites là. Ça, on ne peut plus faire autrement. Eh oui, c'est une défaite de l'OTAN. Ce que vous voyez là, en Ukraine, c'est la défaite de l'OTAN, la débâcle de l'OTAN. Je dis bien la débâcle, parce que l'OTAN a tout donné. Quel est le pays de l'OTAN qui n'a pas donné des armes à l'Ukraine, les plus sophistiquées qu'ils ont? Y compris l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, la Pologne et les autres. Ils ont tout donné. L'Ukraine n'a pas pu gagner cette guerre. L'Ukraine est en train de capituler. Tout le front ukrainien, je ne parle pas du Donbass, de Koursk, tout le front ukrainien est en train de s'effondrer. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de retrait, le retrait est la conséquence de négociations ou du début de négociations. C'est comme lorsque les Russes se sont retirés de Kiev. Ils étaient déjà à Kiev. Ils se sont retirés. Ils avaient encerclé Kiev. Mais ils se sont retirés. C'était quoi? Parce qu'il y avait eu des négociations en Turquie. Les Russes ont dit, on va vous montrer la bonne foi. Que nous ne voulons pas la guerre. Nous, on veut seulement que notre sécurité puisse être garantie. Et cette sécurité-là, la garantie que nous avons, c'est ici. C'est cette ville-là. C'est ce pays qui doit être neutre, qui ne doit pas accepter les troupes de l'OTAN. Donc, pour montrer leur bonne foi, ils se sont retirés. C'est différent. Puisqu'on a vu après comment ils ont continué, et aujourd'hui, ils ont gagné la guerre déjà. Mais là, l'Ukraine se retire de Koursk parce que l'Ukraine ne peut plus tenir ce front-là aussi. Et c'était la plus grosse erreur de l'Ukraine. Parce que le front ukrainien allait tomber. Mais ça n'allait pas tomber aussi rapidement que ça. On allait aller peut-être même jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Donc, ils ont commis l'erreur de rentrer dans le territoire russe. Et puis, ils sont encerclés. Sur les 40 000 hommes, il en reste peut-être moins de 10 000. Vous dites que c'est... Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'Ukraine a perdu. C'est pour ça qu'elle se retire. Et... Quand c'est unilatéralement, c'est ça la perte. Un retrait, ça se passe à la suite des négociations. Même si les négociations ne sont pas terminées, mais il y a déjà des négociations en cours pour montrer la bonne foi. C'est ça qu'on appelle le retrait. Mais ce que vous voyez là, c'est la capitulation, c'est l'échec, c'est la fuite en avant. L'Ukraine ne peut plus. L'OTAN
a perdu la guerre. Ce qui va sauver l'OTAN. Voilà maintenant dans quel contexte on peut introduire Donald Trump. Ce qui va sauver l'OTAN, c'est l'arrivée de Donald Trump. Parce que Donald Trump a déjà manifesté sa volonté de ramener la paix dans la zone. Voyez, comme il a manifesté la volonté de ramener la paix, il n'est pas un va-t-en-guerre. Lui peut venir dire, bon, nous, on arrête la guerre, on se retire. On demande à l'Ukraine de se retirer. Ça, ce n'est plus... C'est pour sauver là, c'est sauver l'image de l'OTAN. Et c'est pour ça que vous avez vu que même Kamala Harris n'a pas été soutenue par des démocrates. Personne ne voulait d'elle. C'est pour ça que Joe Biden a cassé Kamala Harris à 2 jours de l'élection en disant que bon, les électeurs de Trump sont c'est la poubelle. Il savait que ça va avoir un effet, mais alors dramatique sur Kamala Harris. Il le savait. Donc quand il dit ça, là, c'est pour casser, pour montrer aux Américains que non, ne votez pas pour cette femme-là. C'est ça le problème, c'est ça le message. C'était clair. Pour ceux qui comprennent la politique, ceux qui savent que la politique c'est une science, pas ceux qui aiment parler comme ça n'importe comment, non. Nous parlons de la politique en tant que science. Vous voyez, c'est une science. Donc vous comprenez, quand vous voyez ça, ça c'est un message pour dire ne votez pas pour elle. Allez-y de l'autre côté, parce que c'est lui qui va nous aider, qui va nous sauver. Voilà ce qui est en train de se passer. Et la candidature de Kamala Harris n'a pas été une candidature neutre. Il fallait trouver quelqu'un qui va venir se sacrifier pour l'échec de toute la politique de Joe Biden. C'est ça. Ça montre que Joe Biden a échoué. L'Amérique a de grandes difficultés. Et que celle-là qui a aidé en tant que vice-présidente à conduire l'Amérique dans ce gouffre ne peut pas sortir l'Amérique. Imaginez que Kamala Harris vient aujourd'hui va dire non, bon, on va négocier. On va dire que mais toi, tu es malade. Donc, il faut quelqu'un qui va apporter une autre image de l'Amérique. L'Amérique n'a jamais fait de guerre. Écoutez-moi bien. L'Amérique n'a jamais fait de guerre. L'Amérique vient et vous tape les gens n'importe comment, les faibles. L'Amérique n'a jamais fait de guerre. Même la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique est venue à la fin, quand les Russes avaient déjà été déjà rentrés dans le bunker de Hitler. Ils étaient déjà rentrés dedans. C'est là que les Américains viennent pour dire, « Oh, nous, on est venus pour faire la guerre et le grand débarquement. » Non. La guerre était finie. Les Russes avaient déjà gagné. Et ce sont eux qui ont tiré le plus gros profit. Là, ils veulent faire encore le même jeu. C'est-à-dire qu'ils ne combattent pas, mais ils font croire que ce sont eux qui ont gagné la guerre. Non, ils n'ont pas gagné la guerre. Ils ont perdu. L'OTAN a perdu. Parce que là, en fait, l'OTAN là, doit disparaître. Ce n'est pas une institution, une organisation crédible de paix. C'est une organisation de guerre. Quand l'Amérique va bombarder la Libye, elle ne fait pas la guerre en Libye. Ce n'est pas une guerre. La Yougoslavie, ce n'est pas une guerre. L'Irak, ce n'est pas une guerre. L'Afghanistan, ce n'est pas une guerre. Vous venez, vous voyez quelqu'un qui est faible, qui cherche même de quoi manger. Vous venez vous bombarder. Vous allez faire quoi? Vous dites que vous êtes en train de... Non, on parle de guerre quand on s'affronte à quelqu'un. Vous voyez la boxe, non? Les boxeurs, là, quand ils combattent, là, on met les gens qui ont le même poids ensemble. On ne va pas prendre un 100 kilos pour aller combattre avec 20 kilos. Et puis on va dire que non, il y a un combat. Non, ce n'est pas un combat. 100 kilos avec 100 kilos. Et on va voir qui va gagner. Là, maintenant, l'OTAN a eu un garçon, un vrai adversaire. Et on a vu, l'OTAN est faible. Donc, l'Ukraine a échoué. C'est pour ça que l'Ukraine est en train de chercher des voies et moyens pour sortir. Et quand vous voyez comme ça, c'est que les Américains lui ont demandé, maintenant, il est temps de partir. Comme ça, on va pas se salir la tête. Si Zelensky ne fait pas ça, là, on va le liquider lui-même. Oh les gars, soyez bénis par le Dieu de Kemit. Et que tout Dieu vous bénisse.